Nous voici dans Splash Labyrinthe. Nous allons retrouver Billy, qui est notre petite bille qui s'amuse avec sa bouée à descendre, dégringoler les toboggans de la piscine. Dans ce jeu de logique, vous avez donc une boîte avec du matériel sous la forme en fait de tuiles qui représentent soit d'un côté des morceaux du toboggan, soit de l'autre côté des bouées. On a donc un cahier dans lequel on va trouver tous nos niveaux de difficulté, de plus en plus difficiles. Voyons par exemple maintenant le niveau 10. Notre structure est donc plus compliquée, il va y avoir plus de mouvements à réaliser et attention, avec tous les morceaux qui sont présents sur le schéma, je dois tous les utiliser à la fin pour fabriquer un circuit. C'est-à-dire je ne pourrai pas utiliser que 4 d'entre elles pour aller dessus. S'il y en a 5, elles doivent toutes faire partie du circuit. Alors on cherche et on tourne, on décale des pièces, on va pouvoir obtenir un schéma toujours complété avec n'importe quelle bouée. Et maintenant, il faut réaliser. Et vous voyez que ce parcours, il a deux chemins. Comme je dois tout utiliser, eh bien Billy va devoir faire un tour complet avant de retourner à l'extrémité du toboggan. Est-ce que j'y arrive? C'est tout bon. Plus on tourne les pages, plus c'est difficile. Vous avez 60 niveaux pour mesurer votre réflexion et votre adresse. Ces jeux font partie de la collection des Logic Games, proposés à 4 ans, 5 ans et 6 ans. A chaque fois, on joue en solo ou à plusieurs pour essayer de résoudre ces 60 niveaux de difficulté de plus en plus difficiles.